Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur le tracé d'Imola pour un nouvel épisode de Track Day. Aujourd'hui, une française est à l'honneur. Il s'agit de la Renault RS01. Alors, cette voiture remplace les Renault Megane qui participaient à différentes courses lors des week-ends des World Series by Renault, les week-ends qui regroupaient les différentes divisions, les 2 litres, les 3 litres 5 et également ce championnat qui, depuis 2015, a donc remplacé la Renault Megane. Cette voiture est équipée d'un V6 de 4 litres, un moteur qui développe à peu près 500-550 chevaux. C'est une propulsion avec une boîte 7 vitesses et le mode est assez particulier. Alors autant esthétiquement il est quasiment irréprochable, il est vraiment très beau, très fini, très fidèle au modèle d'origine que vous pouvez croiser sur les pistes à travers le monde. Par contre, il y a un petit souci au niveau du comportement. La voiture a l'air de balader du train arrière comme s'il y avait tout le poids sur l'avant. Alors assez compliqué à piloter sans assistance. Vous allez le voir dans certains virages, quand je jette la voiture, l'arrière a envie de passer devant. Et malgré quelques minutes à passer par la case réglage pour résoudre tout ça, rien n'y fait. La voiture a toujours un comportement assez particulier. On semble être plus proche d'une traction, ce qui est assez bizarre, étant donné que la voiture est censée être une propulsion. En tout cas, au niveau du son, c'est vraiment sympa. Vous allez le voir d'ici quelques secondes en caméra embarquée. Visuellement, c'est réussi. C'est vraiment un mode à tester. J'ai hâte d'avoir le retour de votre feeling sur cette voiture. En tout cas, vous connaissez la tradition dans Track Day. Vous montez le son et vous profitez un maximum, les amis.